Le tutoriel ça, nous allons apprendre à créer groupe en mode console. Donc, si nous regardons là, nous gagnons un domaine qui c'est infomax.org, donc nouveau serveur, un domaine contrôleur hein, avec Active Directory. Nous gagnons un OU qui est les professeurs, et nous avons remarqué à l'intérieur de OU ça, nous gagnons un groupe qui est les profs, et nous avons trois utilisateurs qui font partie de lui. Et nous gagnons OU qui est les étudiants, et puis nous gagnons la donne un groupe qui est les students, et puis qui gagne la donne deux utilisateurs. Et puis nous gagnons un groupe là, un OU là, qui est les ingénieurs, qui gagne la donne deux utilisateurs, donc Anthony Chérubin avec René Calixte. Donc, et nous avons créé un groupe en dedans OU ingénieurs là, et puis après ça, nous allons laguer deux mondes dans le groupe. Ça. Donc, pas de problème. Donc, groupe nous allons créer, là, a même nom avec OU. Ça va déranger. Donc, ça nous allons faire, nous allons taper la fameuse commande DSAD. Tablier DSAD, nous allons utiliser non seulement pour nous créer utilisateur OU, mais nous allons utiliser tout pour nous créer groupe. Donc là, nous faisons DSAD. La commande c'est DSAD group, espace, et puis nous mettons CN. CN c'est command name, CN command name, et là nous supposons mettre égal, et puis nous mettons nom, la bail groupe là. Donc groupe là, nous avons ingénieur. Voilà, ingénieur, le groupe des ingénieurs. Maintenant, nous allons mettre dans qui container pour les placer. Et groupe là pour nous. Donc, conteneur c'est un OU. La mettez OU. Et la mettez égal. Et puis la baye non OU. Hein. Pas oublier non OU, hein, c'est ingénieur. Donc, on a tapé encore. Donc, c'est ingénieur. Voilà. Et puis, nous allons préciser domaine avec extension. Donc, pour préciser domaine avec extension, nous connaissons DC égal. Donc, la mettez Infomax. Donc, c'est bel et bien Infomax. Voilà. C'est infomax.org. Donc, on va mettre infomax. Et puis, on a fait virgule. On a mis DC. Et puis, on a mis ORG. Et là, nous finissons préciser ça. Nous allons préciser un autre paramètre qui est important. C'est security group. Donc, pour cela, on a fait tirer sec GRP. Et puis, le security group, la AIS. Donc, ça veut dire que là, nous précisons le système là. Que nous allons créer un groupe de sécurité. Ce n'est pas un groupe de distribution, nous allons créer, c'est un groupe de sécurité. C'est peut-être ça que SecGRP a yes. Maintenant, nous allons préciser étendue groupe noir. Nous connaissons un groupe qui a gagné trois étendues. Il est capable domaine local, il est capable global et il est capable universal. Donc, si son groupe n'a fait pas taper scope, donc scope c'est étendue pour le groupe. Et puis, si c'est global, on a tapé G. Si c'est universal, on a tapé U. Et si c'est domaine local, on a tapé L. Donc, groupe global, qui a son groupe global, on a tapé G. Et puis, dans la phase ça, ça nous était pour nous faire, nous était juste pour nous faire Enter. Et voilà, notre groupe ingénieur vient d'être créé hein, dans le OU qui s'appelle ingénieur. Nous allons vérifier ça rapidement. Nous allons aller au niveau de fenêtre ça et puis nous faisons un refresh. Et voilà, vous voyez bel et bien que groupe noir ingénieur l'y créé. Donc, qui ça nous était pour nous faire? Nous était pour nous sélectionner deux utilisateurs. Yo. Nous faisons clic droit, nous faisons add to a group. Et puis, nous tapons nom, groupe là, nous allons ajouter, ouais, c'est ingénieur. On a fait check name. Et voilà, et puis nous faisons OK. Donc, voilà, disons que l'opération réussit avec succès. Donc, nous souhaitons rapidement comment pour nous créer un groupe en mode console. Donc, même comme ça, on peut utiliser le tout dans un script pour créer plusieurs groupes en même temps, à partir de script, à partir de fichier BAT. Donc, dans l'autre tutoriel, nous allons faire expérience à avoir pour nous montrer comment on peut créer des OU, des utilisateurs et des groupes hein, dans un seul script. Donc, nous allons montrer nous, comment nous faire création OU user avec groupe dans un script, à partir d'un seul script. Donc,
là dit tout le monde merci, continuez à pratiquer, pas oublier que c'est pratique qui fait vin parfait, et pas oublier ça, donc continuez à pratiquer chaque jour, battez ton objectif pour apprendre de nouvelles choses, et puis un jour, vous êtes capable de venir un expert. Je vous remercie et à très bientôt.